Bonjour YouTube, bienvenue! Quel enfer, Brita! Mais vous êtes horrible, vous êtes horrible! Bonjour YouTube, bienvenue sur la suite de Tomb Raider 1 Remastered. C'est la deuxième session, hein, donc il s'est passé une petite semaine, je pense, depuis la dernière fois. Je sais plus trop comment on joue, je sais plus ce qu'on fait là. Je crois qu'on cherche des artefacts. Comment ça s'appelle? Le Sion, là, le Fion des Atlantes. Il en faut trois morceaux, je crois qu'on n'en a qu'un seul. Et on est en Grèce pour trouver le deuxième. Je crois. Du coup, on est au niveau le Colosseum. Colosseum. De Grèce. Partition, là. Ouais. Le Fion des Atlantes est en morceaux, c'est ça. Nous sommes à 0 sur 3 secrets, 0 sur 14 objets. Les derniers niveaux, on n'avait pas trouvé tant de choses que ça. Est-ce que mon exploration va être meilleure aujourd'hui? On ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. En tout cas, j'avais hâte de continuer. J'avais hâte d'y jouer. J'aimais bien l'ambiance qu'on avait sur le précédent stream. Je trouve le jeu reposant un petit peu. Oh, il y a une sale bête, non? Ah oui. Comment on joue déjà? Comment on tire? C'est bon. L'ambiance courant d'air, hein, d'ailleurs. J'espère que le son est OK pour vous. Je vais pouvoir vous parler tout près de vos oreilles, comme ça, là. Faire des bruits de bouche. Ça dégoûte. En tout cas, moi, ça me dégoûte. Vérifier qu'il n'y a pas une petite grottounette. Mais on est à l'air libre. Attendez, attendez. Young qui a renouvelé son abonnement en niveau 2 là. C'est quoi ça? C'est un lion, un tigre, un loup? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Entendre la langue mais pas la sentir, c'est vilain. Ouais. Est-ce que je peux pas la... Oh attends, maintenant je peux pas monter là-bas. Je sais plus comment on change d'arme rapidement, mais bon. Arrête de te prendre les poteaux! Il y en a un autre. Ouah! Je crois que je t'ai pas vu traverser les poteaux. Bonjour Méganté. Bonjour Champitruc. Alors, on vient se faire piller la tombe, Méganté? Salut Nitnel, salut Herbousier. La tombe qui me démange. Il y a forcément moyen d'aller dans les hauteurs, là, non? Salut Shiny, ou Shenny. Se faire piller la tombe par une belle anglaise. Bah franchement, quitte à se faire piller la tombe, bah go Lara Croft, non? Tant qu'à faire. C'est un peu haut ça, non? Ok, donc je vais pouvoir remonter par là. Je vais essayer de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Merci Sarah pour ton Prime. Merci de le claquer ici, c'est gentil.
visage souriant, je leur, car je suis au travail des bisous. Merci Zexo, bon courage. Mais c'est un enfant. Oui, je l'ai trouvé au Congo, il y en avait plein. Ah, oh, cet épisode des cassos là. J'adore chiner. Mais c'est la pierre de Rosette ou une magnifique planche à découper. Clac, clac, clac. Ah, c'est full copyright, hein. Ça, c'est Canal+, je crois, les cassos. Je vais me faire strike de ouf. Tu l'as pas vu? Il est bon, hein. Il est bon, l'épisode avec Lara Croft. Ah, mais il y a un passage là. Ah. Ah, ah. Fais le bruit des secrets. On rappelle qu'avec les petits pistolets, j'ai munitions infinies. Hein. Pas mal! Toujours pas de secret. Par contre, on a des objets là. J'ai vu qu'il y avait une trousse de soins. Pas mal. Putain, faut arrêter, mes grands. Je te jure, j'arrête pas déjà de vivre avec les sons d'OP. Genre, quand elle prend ça, la barre espace, là. Barre espace, j'y pense. Je vais vous prendre un maxi dildo XXL, barre espace. S'il vous plaît. La fosse Lacoste. Par contre, on peut clairement passer de l'autre côté, là. Faut pas... Oh, pas de lien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le lien? C'est les cassos? J'ai la bœuf depuis hier. Ça va, ça m'a pas resté dans la tête. A plus, King. Bon courage pour ce cours d'histoire, c'est ça? Bon, là... Non mais calme-toi, non, calme-toi, Lara. C'est pas l'endroit, c'est pas le moment. Oh, le bruit du secret, vous êtes prêts? Ceci est un message de Resu Brioche Wild Art Brioche Équipe Brioche Cursed Maria Brioche Party. Merci Ekaos pour ce 42e mois. 42 Gigacon est dans mon vocabulaire. Moi je dis giga dans pas mal de choses. Giga schlong, ça me fait rire le mot giga là. Hier, il y a... Déjà, rien que faire l'association dans ma tête, ça me fait rire. J'allais vous dire, je vais parler de Skyplay juste après avoir mentionné le giga schlong, et déjà, ça me fait rire. Un petit passage, là. Non, mais il m'a envoyé une photo. C'est encore pire. Je téléphone à la police. Il n'y a rien, là. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, j'appelle la police! Police! Mais en gros, il m'a envoyé une photo d'un bout de papier sur lequel il y avait écrit Brie 2.3530. 35 espace 30, vous voyez? Voilà, il m'a dit, j'ai retrouvé ça
dans une poche, là, ou je sais pas quoi. Ouh, c'est vrai que j'ai pas save. J'ai retrouvé ça dans une poche, si ça te dit quelque chose, je sais pas, il y avait écrit ton nom avec marqué 3530. Et je sais pas du tout ce que c'est, mais je lui ai répondu que c'était mes mensurations. Et ça l'a fait rire. Voilà, c'était fin de l'histoire. Et parce que, bah, du coup, j'y gâche longue. On a dit sauvegarde, hein. Attendez. Sauvegarde. C'est les coordonnées de la base. Ah, j'aurais dû lui répondre ça. Ça aurait... Arrête. Ça aurait pu le faire rire. Ah, ça m'a fait peur. Au secours, j'arrive pas. On me tire dessus là. Jean-Claude a disparu. Ah, on voit mieux comme ça. Ce beau ciel gris là. On se croirait chez moi. Ça dégage hein, les animaux, hein, ça dégage. Il est mort, Lara, calme-toi. Par contre, le singe n'est pas mort. Winton! Bon, en vrai, on a dû lui faire quelques dégâts. Je vais faire demi-tour, non? Enfin, il n'y avait pas un passage que j'ai pas pris, en fait, le passage principal. Et en fait, je peux même pas y retourner parce que je suis tombé là. Tombé à la chemise. À moins que ça retourne devant ça. Ouais, ça doit être ça. Voilà. Évidemment, tomber la chemise. Moi aussi, ça m'énerve, Meganté, là, quand elle change son rythme de tir. Un bébou brioche, bref. Merci, Daka. Ah, mais il y a une fente. Bon, je suis pas sûr qu'on ait raté quelque chose. Je pense qu'on est bon. Vous parlez de moi. Quelle taille la fente? 35-30, ouais. Exactement. Ouah, les chauves-souris, les mortels ennemis! Ah, merci Lissana. Pour ton abonnement. Merci beaucoup pour vos premiers abonnements, là, vos premiers Prime sur la chaîne. C'est gentil de... Bah, de croire en l'avenir, finalement. D'avoir un peu d'espoir, quoi.
Deux mois, c'est pour toujours, ouais. C'est exactement ça. Mais regardez-moi ces belles... ces beaux reliefs. Ouais. Oh, Michel Paquet. Ah bah faut bien s'occuper, hein. Il n'y a pas un petit objet qui traîne, là. Non, mais la taille des gradins, ils devraient avoir des gigacus, hein. Paquet, c'est le nom de famille de ma neuropsie. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est trop bien. Bonjour, Maxinou. Mame Paquet. Par contre, elle a dû avoir des blagues. On rappelle que les blagues sur les noms de famille, c'est interdit, hein. Un peu déçu, je pensais qu'il allait avoir un objet. Faut que je descende dans la fosse. Attention. Ouais, on l'avait déjà bien amoché, lui. Hein. Quand elle a eu son baptême, on a dit que c'était un sacré paquet. Qu'est-ce qu'on a dit sur les noms de famille? On fait pas de blagues. Ah, mais d'où tu sors, toi? Bon, s'il y a des sauts particuliers à faire pour arriver tout là-haut. Le vent. Bof. Boftière, je ne conseille pas. Là, je peux. Là, je suis pas sûr de pouvoir remonter. Il a l'air d'y avoir un levier. Ah bah super. Putain, mais toutes ces bites là. Puis ils sont très très proches les uns des autres. C'est particulier. C'est particulier. Libre à eux. Mais c'est particulier. Bonjour Sky. Bon, tu meurs!
ça va, Sky. J'ai déjà mentionné la photo que tu m'as envoyée et les mensurations. Si jamais des gens font une blague, c'est possible que j'en ai déjà parlé. Voilà, si, voilà. Bref, t'es prévenu. Hein. T'es sérieux, tu m'as pas... Putain, ça m'énerve que ça fasse ça. Bah, c'était une grosse blague, quoi. J'ai aucune idée de ce que c'était les... la photo. En même temps, 35-30, c'est... Quand même. C'est pas du jeu vidéo qu'il fallait que je fasse, hein. C'était du porno après. Hein. Non mais tu tires sur un cadavre, Lara, là. Je stressais dans mon coin à me dire qu'est-ce que j'ai fait avec les mensurations de quelqu'un dans ma poche depuis 3 mois. Mais comment tu veux que ça, déjà, que ça vienne dans la conversation et que tu les notes en scred? Se mesure le schlong, enfin c'est pas dans les séries Ah Bah pour la défense de Sky, j'ai voulu répondre un peu de manière froide. Tu sais, y a pas un smiley derrière, y a pas un XD, un truc comme ça, quoi. Genre, mes mensurations, en fait. Et oui, après, j'ai pas répondu quand il a dit « Attends, c'est vraiment ?» J'ai voulu répondre en érection et au repos. Enfin bref, ça commençait à être un peu lourd, je me suis dit. Je dis « Bon, allez, c'est bon, c'est bon. » Ah oui, c'est là-bas que ça s'est ouvert. Je sais toujours pas ce que c'est. Bah moi non plus. Je me demande si c'est pas une config OBS où j'ai dit à la volée, tu vois, genre, vous pouvez noter pour moi 35-30. Qu'est-ce qui s'est passé, putain? J'ai cligné des yeux. Un interrupteur sur le truc sur le... C'est vraiment un interrupteur, le truc sur lequel je marche, là. C'est subtil, hein.
C'est vrai que Sky... Tu peux nous redire vite fait où tu es actuellement, Sky? Avant de partir. Merde, attends, mais... Non, mais tout est timé, là. Tu peux le dire, bah j'ai oublié. Enfin, c'est pas que j'ai oublié, c'est que... J'ai oublié, en fait. Putain, mais... Il est à Marrakech. Attends, mais... Il fait ses vacances avant le projet KH. C'est vrai que Sky veut faire un projet KH aussi. Je crois qu'il faut marcher pour pas prendre de dégâts là-dedans. Voilà. Bonjour Xeno. Le jeu est étrangement beau, alors que comme ça finalement. Déjà, c'est beau. C'est beau. Merci Jesse Jess. Jesse à chaque fois de toute façon. Bref, je pense que t'as l'habitude à force. Où vais-je? Là? J'y pense avec l'assisto là qui a l'accent québécois. Il y a un nouveau perso sur Overwatch qui sort aujourd'hui. Enfin, en tout cas en test. Et sa VF est québécoise. Merci Lavapol pour le 6e mois de Prime. D'accord, donc je vois où on est. Les animations faciales du perso immonde de Venture là sur Overwatch, je sais pas, j'ai même pas fait attention. Ouais, c'est ça la DPS exact. Save, ouais, je save. C'est full vallée dérangeante pour moi. Ah, ça m'a pas fait ça. Ça m'a rien fait. Mais peut-être que maintenant que tu me l'as dit, je vais voir que ça. Ah, j'étais un petit peu focus sur l'accent québécois, là. Grognaise.
J'aimais trop. J'ai jamais joué à Overwatch, tout ce que je sais, c'est qui est les non-binaires et c'est toujours cool de plus avoir plus de représentation. Ouais. Ouais, c'est sympa ça. Enfin, moi j'aime bien, hein. Je suis pas sûr que ce soit l'avis de tout le monde, mais. Pour le coup, je le trouve. Alors par contre, ouais, à dire, c'est difficile, je trouve. Est-ce que justement, est-ce que personnage non binaire, ça veut dire. Je crois que ça dépend les gens, en fait. Que tu peux dire les deux ou qu'il faut parler au neutre. Je crois que ça dépend à chaque fois des gens, en fait. Donc, en fait, j'en sais rien. Team Apex ici. Ça dépend des gens, ouais, c'est ça. Il y a des gens qui. Ça dépend des gens. Si elle est suisse, c'est neutre. On va dire non. Mais juste, en fait, je me disais, comment on va réagir in-game, tu vois, dans l'urgence, genre le perso qui est derrière toi. Tu sais, est-ce que tu vas parler neutre, féminin ou masculin? Je trouve intéressant parce que justement, là, tu vois, là, on a le temps de se poser. Moi, j'ai pas forcément des habitudes de parler au neutre, tu vois, mais en cas d'urgence en plus. Je sais pas ce qui devient. Je sais pas, je trouve intéressant, justement. Bref, il n'y a pas l'air d'avoir quelque chose de planqué, je vais avancer. C'est de là que je viens, hein. Ouais, c'est dans Valorant aussi. Quand je sais pas, j'utilise un mix et de il et elle et eul. Ça donne eul. Un cri de fuck. Enfin, c'est ça, on dit quoi quand il faut l'insulter parce qu'on rage? C'est ça. C'est ça la vraie question. La personne québécoise. En anglais, c'est they, he. Ah, je savais pas que c'était neutre masculin en anglais. Mais j'aime pas trop le they qu'ils utilisent en anglais parce que moi, dans ma tête, il y a vraiment la notion du pluriel. Je trouve. Du coup, ça me fait bugger, quoi. Alors que vous, pour vous voyez, pas de soucis. Bah ouais. Hein, c'est des habitudes, ça. Mais le vous. Ouais, non, mais t'as raison. T'as raison, mais voilà, c'est les habitudes. Ce ciel noir dans la version ancienne, moi, ça me fait flipper, hein. Ça, moi, je trouve, ça me fout un bad. C'est bizarre qu'il n'y ait rien du tout ici, c'est juste effondré. Who's bad? Tricher là. Non, il n'y a rien. Parce que j'avais pas envie de faire demi-tour. Dans ma tête, c'est juste un plafond. J'étais persuadé qu'il y avait un plafond à la salle du T-Rex avant ton stream de l'autre jour. Ah, genre pour toi, c'est le plafond qui est noir. Ah, moi, ça m'effraie là, ce genre de vide. Elle est là, ma vallée dérangeante à moi.
Ça dégage les animaux sauvages, ça dégage. Il y en a un autre, hein. Il arrive. Contente que tu fasses cet ancien Tomb Raider, ça me rappelle mon adolescence. J'ai hâte de rattraper les VOD brioche touille brioche et Wild Art. Merci Poppy Pink. Moi c'est la découverte, hein. La giga découverte. Tomb Raider. Je vais faire mon chiant, mais la vallée dérangeante, c'est un concept qui s'applique que à des visages. Oh, je sais, mais oh. Pénible. T'aurais dû mettre les mottes, tu sais, le smiley avec les lunettes là et le doigt comme ça, là. Moi, je veux pas... Bref. Pas être chiant, mais bon. C'est quoi l'histoire de la vallée dérangeante? En gros, je vais essayer d'expliquer. Vous me corrigez si c'est de la merde. Mais c'est la représentation des visages. Par exemple... sur des robots ou sur une animation 3D. Et en gros, plus tu augmentes en réalisme, il y a un moment où ça va devenir dérangeant et après, ça va devenir de nouveau bien. Genre, vraiment... tu vois le film Le Pôle Express? pour moi, on est en plein dedans. C'est que les visages, c'est chelou. Le Popol Express. J'ai pas vu ce qui s'est ouvert. Parce que je regardais le chat à écrire le Popol Express, là. Uncanny Valley ou Valley dérangeante sur Google. Ouais, vous allez trouver facilement. Mais je peux même vous montrer, hein. Parce qu'en fait, le stream, c'est aussi ça, tu vois. C'est interactif. Uncanny Valley. Image. Oh putain, il y a une image, c'est le Pôle Express. Je ne vous ai pas foutu de ma gueule, hein. Enfin, de votre gueule. C'est littéralement le Pôle Express. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Et tu vois, là, ça, c'est ce que je te disais. On voit rien, là, Wikipédia, là, tu peux pas me... C'est que... C'est de plus en plus bien, et d'un coup, ça devient tellement bien que ça devient moche, et après, ça redevient bien. Donc la Uncanny Valley, c'est entre deux, là. Quand tu veux faire un truc réaliste... Allez, j'arrête ça. C'est immonde. Y a pas un petit truc à choper là-haut? Oh là, ça triche. J'arrête d'utiliser ça parce que je vais tricher tout le temps. Quoi? Eh, les règles de Twitch,
c'est peut-être à partir d'aujourd'hui, en fait. Il n'y avait pas une mise à jour des règles de Twitch à propos des parties, là. Oh putain. J'arrête, allez, arrête, voilà, bon, bref. Donc, qu'est-ce qu'il a ouvert, le levier, là? je vais refaire, hein. Ah oui, un des quatre coins, je vois. Un des quatre coins? Mais lequel? Oh putain. D'ailleurs, faut que je fasse des miniatures, hein. En vrai. Vous dites pour la miniature, mais il me faut un bout de décor pour dire qu'on est là, quoi. Et après, j'y mets... ce serait bien qu'il n'y ait pas de cadavres. Mais bon, j'en ai foutu partout. Au pire, ce sera caché par Lara sur la droite. C'est bon, là, on reconnaît le Colisée. C'est parti, là. Alors, on va dire que c'est valide, hein. On verra si ça me plaît. Y a pas à avoir peur pour ça, hein. Je sais pas s'il y a un truc en bas. Caméra? Il s'est passé quoi là? Ah, oh là là, oh là là. Je maîtrise les contrôles. Oh là là! Oui, pourquoi tu joues pas avec les contrôles modernes? Oui, j'y arrive mieux avec les contrôles anciens. Allez.
Encore un levier. Bon, j'ai cherché des blagues, mais du coup, là, ça m'a surpris. J'ai un bandeau. Et lui, il se fait pas bouffer par le lion, il y a que moi. Il est où, en plus, là, mais... J'ai pas peur, hein. Il est passé où encore? Il me saoule à disparaître. Je comprends pas. C'est pas la première fois qu'il nous fait le coup en plus. Ce sont des lions qui se nourrissent exclusivement de femmes britanniques. Ça va être pour ça. Qu'est-ce qui a bougé là? Ah merde, c'est ce machin là-haut. Attends. C'était géré aussi avec l'autre levier? Salut Yves, le perso qui disparaît, c'est Pierre, il disparaît au moins 3 fois dans le jeu. Mais c'est le gars qu'on essaye de doubler en fait, qui était déjà sur la piste. C'est super ça. Bonjour Gâteau Choco. La chanson « Merci Twingo » vous dit-elle quelque chose? Non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Gâteau Choco qui est complètement shadowban sur mon Twitter. Je ne sais pas pourquoi. À chaque fois qu'il m'écrit quelque chose, je ne vois pas ses réponses. Et je m'en rends compte après. Je fiche ça sur le Discord, dans Média et dans le chat. C'est une ode à la France. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attends. Déjà, je vais essayer de monter, d'escalader tout ça. Parce que je sais pas si c'est timé avec le même levier. Hein. J'ai fait peut-être tout le bazar pour rien. C'est vrai, quelle galère cette histoire. Quelle galère cette histoire. Mais oui, je sais pas pourquoi t'es shadowban. Et il y en a peut-être d'autres, hein. Mais du coup, je m'en suis rendu compte avec toi. Pourtant, t'es pas mute.
Mais arrête. Oh, je me trompe. Bah oui, ça s'est fermé, bah oui. Je me trompe de contrôle. Putain. Quoique. Attends. Quoi? Salut Pommy. On se tombe bien le pillage, oui. La porte du secret s'ouvre quand tu passes au pied du pilier. Faut pas me le dire, ça. Hein. Sauf si je demande. Faut me laisser dans ma merde. Du coup, ce serait ouvert, là? C'est fermé, je comprends rien. Pourtant, on a entendu deux fois, non? Putain! Vas-y, nique-toi. Je vais recharger la partie, au moins, si jamais ça vient vraiment de ça. Coucou fan! Merci pour ton 42e mois. Après, le levier, quand même, il retourne en haut, donc c'est quand même bizarre. Regardez la pépite de Brita. Eh bé, Brita met des photos de sa pépite sur internet. C'est pas joli joli tout ça. Non, c'est fermé. Là, c'est ouvert. Mais c'est quoi le rapport? Enfin, pourquoi s'approcher du pilier, là? C'est quoi cette histoire? Je comprends pas. Ça, c'est ce que disait King. Que les secrets, ils sont complètement cons. En fait, c'est parce qu'il faut rester... Attends, peut-être faire ça, into ça, into ça, into ça, into ça. Il y a de l'idée. En vrai, il y a de l'idée. Ouais, non, mais King a dit, enfin, je crois qu'il était pas le seul, hein, mais que les secrets étaient quand même un peu chelous, que tu pouvais pas franchement les trouver tout seul. Putain de merde. Bingo! Donc en vrai, c'est vrai, j'ai dit pas de backseat là, je sais plus qui est la personne qui a dit ça, mais. Pff, si la personne avait pas dit ça, jamais on aurait trouvé. Enfin, c'est un peu nul quoi. Parce que je serais resté sur mon idée. Que c'est le levier. Alors qu'en fait. Ben voilà, c'est bon pour vous. C'est super. C'est super. On recommence, hein, parce que du coup, j'ai sauvegardé là-bas. Allez, hop. Allez, on y va. Donc, comme vous le voyez, le levier ouvre la porte. Mais en fait, c'est pas le levier qui ouvre la porte en haut, c'est parce qu'il faut être près d'un pilier. En fait, le problème, c'est que il y a rien qui t'indique qu'il faut être à côté du pilier.
c'est complètement possible que t'y passes jamais vraiment. Donc c'est complètement, je trouve ça complètement con quoi. Faudrait que le carrelage au sol soit une couleur différente quoi. Là y a rien. Alors, une trousse de soins, des munitions, et effectivement, un nouveau flingue. C'est le magnum, ça, peut-être. Uzi ou magnum? On va faire une petite sauvegarde, petite. Au cas où on glisse, quoi. Faites péter le sublat. Brioche partit les fraises du tambour. Si on l'a déjà le fusil à pompe. Il paraît brioche qui est inférieur à 3. Tarte sablée, inférieur à 3. Tarte sablée. On l'a déjà le fusil à pompe, du coup, ouais. Je préfère les magnums easy, je comprends. Oh putain! Je veux pas prendre de dégâts, ok? Moi, le problème, c'est les niveaux verticaux. Voilà. Tarte sablée. De Dieu, c'était si compliqué que ça. Bon, du coup. J'ai 250 munes de Magnum. 7 de fusil à pompe. Et du No. Pour les Uzi. Non. Les pistolets Zizi, j'ai pas. Mais j'ai déjà des munes. Ah, ça y est, il y a Grim qui est retourné sur Overwatch, je l'entends brailler. Peut-être qu'il joue avec Venture. J'entends bien un écho lointain dans ton micro, je suis pas fou. Bah oui, ça c'est Grim. Dès qu'il est sur Overwatch, ça braille. Ça braille, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, on va pas insonoriser l'appartement, ça sera comme ça, et puis c'est tout, voilà. Ça vous fait une petite présence dans ce jeu silencieux. Ça braille plus qu'un aveugle. Marrant. Y'a quoi dans l'eau? Bonjour Babin Panda. Salut Nevermore. Hâte de demain soir, la finale. Drag Race UK versus The World, c'est ça? T'as regardé l'épisode précédent ou pas? La demi-finale. Ou t'attends peut-être de le voir chez Peak parce qu'elle va regarder les deux en même temps? Oh, une clef. Avec une plaque de pression, du coup. Hein. Ça, c'est une plaque de pression. Ça s'entend pas, ça se voit pas. Ceci est une plaque de pression.
J'ai été spoil des finalistes. Dac. Pourquoi c'était une plaque de pression? Il y avait peut-être rien, je sais pas. Est-ce que j'ai raté un grand secret? On est à combien, là? On est à 2 secrets sur 3, 12 sur 14 en objet. Je voterai pour la prédit par acquis de conscience. Mais en vrai, moi, l'épisode, j'ai regardé le résultat, parce que j'étais curieux de savoir, mais j'ai pas regardé l'épisode. Donc, je verrai ce qui s'y cache. Alors, par contre... Oh, tu crois que je t'ai pas vu, toi? No spoil. Non! Jamais. Tu as oublié le pas, putain de merde. Je ne voterai pas. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai que ça n'avait pas tellement de sens, sinon. Mais est-ce que je dis des choses qui n'ont pas de sens? Ça arrive. Toujours. Toujours, c'est pas un peu exagéré, ça? Toujours, quoi. Ça va, oui. Je sais plus où il faut aller! ...99,9% du temps. Comment j'y vais là-haut déjà? Il y avait un passage, mais je sais plus où que c'était. Que serait un live s'il y avait du sens? Moi je vous le demande. Après c'est ton charme justement pour tout ce chaos dans tes paroles. Mais attendez, vous êtes sérieux en plus? Genre, attendez! Ah, c'était peut-être là. Genre, ça a pas tellement de sens, quoi. Non, mais en vrai, si on veut être factuel, 99,9% du temps, ce que je dis a du sens. Ce serait... C'est une mauvaise foi, c'est pour la blague que vous dites ça, mais en vrai, encore heureux. Enfin, soyons factuels. Et c'est rare que... Non. Je voulais juste appuyer encore plus le truc, mais non, je rigole. Je me suis dit qu'une phrase bien faite marcherait mieux. Soyons facteurs. Ça, j'y ai pensé, mais quand je me suis dit, ils vont faire une blague sur les facteurs. Si on laisse de côté les jours de bafouille, les fautes de frappe, du chat, les lectures à la va-vite et l'assistotrol beurré, oui, il y a du sens dans les paroles de ce stream. Bon, bah tu vois. Vous savez, moi j'ai besoin d'être rassuré en permanence. J'ai en tête la voix de Johnny Depp qui dit « Ce que tu dis n'a aucun sens. » Ce que tu dis n'a aucun sens. Du doubleur de Johnny Depp, on dirait d'ailleurs, hein, parce que du coup... Bonjour tout le monde, comment ça va ici? Je passe faire un coucou avant mon cours de danse. Peau blanche, je regarderai la rediff, visage souriant. Peau blanche? Merci Mathieu Black pour le 42e mois. Faire une petite sauvegarde pour éviter de se retaper la route si je ne sais pas sauter. On va
fallait juste avoir un tout petit peu d'élan supplémentaire. Il va y avoir encore des ennemis. Vous êtes prêts? C'est maintenant. Zéro ennemi. Par contre, il y avait une clé. Voilà, celle-là. Ah, il y avait mon morceau de fion. J'avais oublié que je l'avais dans l'inventaire. Est-ce qu'on est littéralement en train de mettre la clé dans le huc? Ah, ça, c'est peut-être moi qui... J'extrapole un peu quand même. Oh là là. Extrapopole Express. Arrêtez, ça me fait rire ça. Ah, ça devrait pas. Déjà l'expression popole me dégoûte, ça, j'aime pas, c'est un peu ma vallée dérangeante, tu vois. Ah, il y a une sale bête. C'est toi ma vallée dérangeante, Boubou. problème, c'est qu'il n'y a rien pour récupérer de l'air. Où est-ce que je vais tuer la bête? Ah, là! Grimpe, 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 grimpe! Super, qu'est-ce que j'ai ouvert? C'est super. Il va forcément revenir. Ça prendra le putain de temps que ça putain de prendra, ok? Il arrive! Il arrive! Putain, mais tu mets juste deux... Dépêche-toi! Il est où? Il est là. La tronche dans le mur, là. C'est bon! Il est mort. Alors, qu'est-ce que j'ai ouvert? La grille du fond. Putain, c'est la fin du niveau. Nom de Dieu, c'est la fin du niveau. C'est pas grave. On va recharger. La dernière. Qui était avant ce saut-là. Ok. C'est chiant, ça. Tu peux pas savoir. Donc d'abord... La porte du fond. Mais moi, je pensais que ça, c'était secondaire. Que là-bas, c'était la fin.
Waouh. Waouh. Bah, le problème, c'est qu'il nous manque un secret et du coup, l'objet du secret. C'est dommage, c'est dommage. On n'a pas le 100%. À moins que ce soit dans l'eau qu'il y ait le 100%, mais je pense pas. Et si c'est des trucs bien planqués. C'est dommage. Comment ça? Mais tu viens d'où, toi? Il vient d'où, lui? Celui que j'entends, là. Ça dégage! Secret là. Ça gigatriche avec le mode photo. Non, je sais pas. Vous l'avez vu le secret? Vous pensez avoir une idée d'où il est? Ou pas du tout? Ou vous savez après? Si vous savez, faut pas le dire. Attends, j'entends encore des créatures, des ténèbres. Mais d'où venez-vous? Est-ce que justement il faudrait pas redescendre? J'ai une idée, mais je risque le ban. Ah, parce que t'as envie de mettre dans mon cul, c'est ça? Putain, mais ils viennent d'où, eux? Pourquoi ils ont fait respawn des bestiaux? C'est l'hécatombe, hein. Je suis devenu si prévisible. Évidemment. C'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. Hein. Non, personne n'a une véritable idée d'où peut être le secret. Sinon, tant pis. Hein. De toute façon, on fait pas un 100% à la base, hein, bien sûr. Je pense qu'il est dans la chambre de Feldup. Tu as regardé dans ma vallée dérangeante? Ok. Tu as déjà fait quel secret? On en a fait un qui était timé, il fallait grimper des poteaux. Et je crois celui où il fallait longer une corniche. Après, si tu demandes ça, c'est que tu sais où ils sont. Je sais pas si je veux vraiment les réponses ou si je préfère des gens qui connaissent pas bien, quoi. Ils te méritent pas ce secret. Peut-être ça. C'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Ah, je me demande s'il est pas dans l'eau, quoi, tout simplement. Bonjour, baleine. À moins que. En fait, c'est peut-être cette porte, là. Non, en fait, cette porte, c'est juste une texture. C'est de la merde. C'est pas la dernière trousse dans l'eau? Il y avait une trousse dans l'eau? Je sais où est le dernier. Ah, c'était au début du niveau. C'est ça que tu veux me dire en disant que c'est le premier. On peut fouiller, hein, sans m'indiquer exactement si tu me. Là où tu as tué le croco. Je suis pas sûr qu'il y avait une trousse de soins. Hein. Si? Je me souviens plus. Mais c'est vrai que ce serait étonnant qu'il n'y ait pas un secret dans l'eau, quoi. Il y avait plein de grilles, t'avais l'impression que tu avais plusieurs passages.
Non, mais Marina avait l'air d'avoir la réponse et m'a dit « Je sais où est le dernier, premier, si jamais. » Ça veut dire que ce serait plutôt au début du niveau, non ? Tu peux y retourner facilement. Oui. Mais je préfère sauvegarder parce que... On va essayer, on va essayer. C'est quand même dommage d'être si proche du but. Le but. Attends, parce que est-ce que Jérôme va respawn là? Il me saoule lui. Tu vois là en face par exemple, je crois que j'y suis pas allé. Ouais, ok. Donc, je pense que c'est là-bas. Attendez. Genre là. On aurait dû y aller depuis ici. Quand on a grimpé tout en haut, je suis allé là. Et je suis pas allé là-bas. C'est parce que c'était le début du niveau, on venait de reprendre. J'avais plus trop les habitudes. C'est sûrement pour ça, hein. J'ai ouvert Twitch. PC, j'ai dû accepter des nouvelles règles. J'ai pas lu, au secours, sur la beuteux sur les murs. What the fuck? Oui, mais c'était parce que, voilà, il y a des nouvelles règles sur Twitch. Putain de merde! Mais disons qu'elles ne nous concernent pas tellement. Car j'avais pas trop pour habitude de vous montrer mes parties en stream. C'était rare, quoi. T'as dit qu'il fallait pas montrer les beuteux des murs. Oui, non, mais là, c'était, t'as vu ce que c'était. C'était pas vraiment problématique, ça. C'est autorisé ? Non, justement. Bon, j'ai sauvegardé ici parce que je sais pas comment on va là-bas sans glisser. Là. Je sais pas si je glisse, si je vais là-bas. Là, oui. Peut-être que je prends pas du tout le bon passage. Moi, je regarde un stream, je regarde une streameuse, un streamer, et je pompe. Ça pompe là ou quoi? Peut-être tout simplement par là, hein. Ça se trouve, ça glisse pas là. Si. Ah si, ça giga glisse!
Ou peut-être que tu fais un truc genre... Attends. Non. Pas du tout. Non, ça doit être de là-haut quand même. C'est de là-haut, enfin! Ah, tu veux dire plutôt que de sauter là-bas, je saute directement dans le coin comme ça. Attends, je sais pas si j'ai bien compris, on va essayer. Ah, ça paraît loin quand même, non? Non, je suis pas sûr que ce soit ce que tu voulais dire, c'est très très loin ça. Oh, si ça passe, ok. Bon, en trichant complètement avec le backseat du chat, nous sommes au 100% de ce niveau. Mais bon, je suis pas sûr que... Vraiment une très bonne idée de sauter dans le vide, hein. Je suis pas sûr que je m'en veuille. Pas du tout de quoi tu parles. Non, mais ça va. Tu vois, indiquer à peu près la zone, moi j'aime bien ça. Hein. Me dire, ok, c'est ici, démerde-toi à trouver. Ça, j'aime bien. Je trouve que c'est. C'est ok, quoi. Surtout dans ce jeu où les secrets sont quand même. Parfois un peu obscurs. Après, le problème, c'est qu'on n'a pas fait tous les niveaux à 100% directement. Hein. Donc, il y a un monde où si vraiment on a envie de faire le jeu à 100%, en fait, faut tout recommencer depuis le début, quoi. Je sais pas. Je sais pas comment ça marche une fois le jeu terminé, s'il faut refaire tout le jeu à 100% ou si on peut charger des niveaux particuliers pour faire Vraiment, cela à 100%. ce J'en sera sais une rien. formalité, le 100%, vraiment, pas de problème. Je crois que c'est en un seul passage, bah je pense, oui. Donc je pense que c'est mort pour avoir un vrai 100%. Enfin pour les trophées en tout cas, je veux dire. Je sais pas où je suis. Oh non, casse-toi! Faut faire une partie pour le 100% objet et ennemi. Ah, parce qu'il faut aussi avoir tué tout le monde. Regarde, j'ai voulu épargner un croco dans ma bonté. Sauvegarde. Sauvegarde et puis on va dire au revoir à YouTube. Après cette VOD d'1h26 dans le Colosseum. Des bisous YouTube, à bientôt. Oh putain, il y a 23 objets là, dans le palais de Midas. Des bisous.